Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je suis Théorina Collectif et j'ai 24 ans. Je suis arrivée à Durvik, en fait je peux arriver vu que je suis née à Silverglade. Je vous expliquerai toute mon histoire dans une autre vidéo. En attendant, je vais faire un cours de saut avec Éole. Éole Duperol, âgée de 5 ans, est un self français entier que j'ai eu en DP grâce à Cecilia Monsterland. Ça a tout de suite bien collé entre nous. Donc on a pu faire nos premiers cours de saut ensemble et quelques concours aussi. Je suis encore en train d'entraîner mon saut, mais je vois un gros potentiel en lui. Ensuite, Cecilia devait le vendre, donc elle me l'a proposé. Et j'ai sauté sur le Facebook. Bon, il n'était pas gratuit, ça c'est autre chose. En gros, il m'a coûté 10 000. Mais bon, c'est un sauteur, je l'aime bien. Et j'ai suffisamment de moyens en ce moment. Donc, on commence une petite détente au pas. Avec des transitions régulières et des figures de manège simples pour l'instant. Le but étant de lui dire que je suis là, c'est moi qui suis le maître. Même si je lui laisse des moments de repos, bien évidemment. Et donc, on travaille un peu tout ce qui est assouplissement, etc. Je fais donc une détente au trot pour l'habituer. Je le ralentis juste derrière l'obstacle pour ne pas qu'il s'emporte et je fais la même chose à main droite. Cette fois-ci, je fais donc
une ligne avec un vertical, puis un autre, en essayant de faire des transitions pour encore une fois ne pas qu'il s'emporte, c'est un peu son défaut. Il va un petit peu trop vite. Donc je fais la même chose à l'autre main. Cette fois-ci, je le ralentis un peu plus et je l'arrête pour vraiment le canaliser. Mais je manque de jambes et donc ça ne passe pas. Je le refais, bien évidemment, c'est de ma faute. Et cette fois-ci, je vais mettre un petit peu plus de jambes. Mon arrêt sera par contre un petit peu moins propre. Donc je travaillerai sur ça avec un cheval plus expérimenté. Je refais cette fois-ci, je mets un peu plus de jambes et je fais la petite croix. Donc encore là, je retourne au trot pour le canaliser. Je baisse les obstacles et j'essaie de nouvelles choses, donc vraiment y aller au dernier moment. Donc vraiment pas pressé, doucement. Pour l'apprendre vraiment à ne pas se précipiter sur les obstacles, haut ou pas. Je refais la même, cette fois-ci j'essaie d'y aller ou pas. C'est bien passé, donc je suis très contente de lui. C'est une chose qu'il fait très rarement. Et on s'arrête tout doucement. Je refais donc la même chose. C'est vraiment travailler sur le même exercice, mais à fond. Bon, bien évidemment, je change de temps en temps, par-ci, par-là. Et donc là, je fais la croix et je vais sur le petit soubassement. Il a un peu plus de mal, donc je mets vraiment plus de jambes pour lui dire d'y aller. C'est un peu plus compliqué. Mais ça passe très bien, donc très contente de lui. Je reviens tranquillement au pas et je fais la croix pour finir. Je refais une petite détente au galop parce qu'on a monté et souvent il a tendance à plus chauffer, donc tranquille. Je vais sur un vertical un petit peu de biais, c'est fait exprès, c'est pour changer, pour voir comment il réagit dans différentes directions. Cette fois-ci, ce sera plus droit, enfin même perpendiculaire à l'obstacle. Donc très contente de lui, je fais une ligne, on fera un nouvel obstacle et on arrêtera là. Nouvel obstacle. J'essaie de mettre du cross un petit peu. Franchement, il gère. Hein. Bon, voilà pour la séance. Je marche un petit peu, bien évidemment. Très bonne séance, très contente de lui. Je bosse vraiment bien avec lui. Hâte de voir nos prochains résultats. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Bye!